travaillé, donc j'ai fait toute une série sur des architectures urbaines, aussi bien contemporaines que plus anciennes. Donc là, on peut voir Venise, Manhattan, New York. J'ai travaillé aussi sur Tel Aviv, donc plusieurs villes de pays différents. Voilà, et puis je travaille également beaucoup sur le mouvement. Donc on peut voir ça dans mes petites peintures de l'autre côté, des petits mouvements de corps, et aussi sur ces grandes peintures là, sur des hommes qui marchent. Voilà également, et je reproduis aussi ce travail sur le mouvement dans mes sculptures. Voilà, donc j'ai fait toute une série sur des danseuses. Beaucoup en série, voilà, donc ça me vient, le travail sur les architectures urbaines a duré 3 ou 4 ans, je dirais, et là je suis sur les mouvements depuis 2 ou 3 ans, voilà, donc j'intercale peinture et sculpture. J'ai beaucoup aimé une photo de building de New York qui était traitée un peu dans la brume. Et donc ça m'a donné cette idée de travailler sur les architectures urbaines tout en laissant des paysages un peu brumeux sans que ce soit vraiment net. Et sinon, votre métier, ah, j'étais comptable. Rien à voir. Les chiffres mènent au pinceau. Voilà, voilà. Et en fait, je travaille plus avec des pinceaux, je travaille avec des plumes. Souple tout en étant un peu ferme dans le bout. Je ne peux pas travailler avec n'importe quelle plume. Par exemple, les plumes qu'on trouve sur la plage des oiseaux marins, c'est trop mou. Là, c'est plus des plumes de basse-cour, on va dire, d'Inde ou pintade. Et donc là, ça me convient mieux. Ça retrace bien différents mouvements du corps. Et puis c'est assez aérien. Je trouvais que ça se prêtait pas mal à ma technique de sculpture, qui est de la filasse trempée dans du plâtre, et que j'étire de façon à ce que ce soit très, très transparent, que ça fasse un peu comme une dentelle. Et je trouvais que le mouvement de danse se prêtait bien à cette technique. J'ai fait un peu le tour des architectures en fait, urbaines. Et j'ai voulu passer au corps, revenir un peu au mouvement du corps. Et ça permet aussi de faire ressortir un peu ce qu'on pense, les sentiments, un peu plus dans le corps, je trouve. Je travaille à l'huile sur papier toilé, toujours avec mes plumes et de l'essence. Donc ça donne un effet un peu aquarellé sur le papier. C'est de l'huile. D'un projet commun à plusieurs artistes, et on avait travaillé sur le petit poussé. Donc moi j'avais choisi le thème du loup qui effraie le petit poussé là, quand il se perd en forêt. Donc j'avais fait ce travail sur le visage du loup,
Et également, j'avais fait un loup en sculpture, en filasse et plâtre. Et là, il était gris, il était teinté dans la masse en gris. Voilà, et on avait sorti un petit livre avec ce groupe d'artistes. Voilà.